Bonjour tout le monde, c'est Eddy. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte d'un jeu. Nous sommes sur Rogue Raiders. On va faire une nouvelle partie. Le jeu est sorti il y a peu longtemps. Je viens de recevoir la clé pour vous le présenter. Alors moi, je vais pas vous mentir, je préfère plus l'histoire qu'autre chose. Mais on va faire en mode normal, on va pas changer. Préparez-nous à combattre capitaine et compagnie là. C'est quoi, c'est moi ça? Elle s'interpose entre notre réseau et nous, pas très malin. Je sais pas si je suis qui, mais ok. Ils ont l'air terrifiants, montrons-leur qui on est. Ok. Bienvenue dans Rogue Raiders. Cette section vous présentera les bases du jeu, même si vous avez un vieux. Si vous êtes un vieux de la vieille, nous vous recommandons de ne pas passer au dit accessiel. Nous souhaitons vous expliquer de nombreuses mécaniques du jeu original et passionnantes. Ok. Ça me va. Les escarmouches en cœur de Rogue Raiders, ce sont des combats tactiques entre vos pirates et divers ennemis, d'accord. Chaque manche consistant à un tour de jeu pour le joueur et pour l'IA. Pendant un tour, vous pouvez vous déplacer et attaquer avec toutes vos unités. Une fois les deux... Chaque unité possède au moins une compétence d'attaque. Ok, qui met en général... Ok, pendant une attaque... Ok, donc moi je fais ça. Je peux faire un coup au corps à corps, ici. Ce qui fait reculer. Et on peut lui faire percuter un obstacle. Ok. D'accord. Bousculer l'adversaire pour qu'il percute un autre unité. Bah vas-y hein. Oh, allez, double kill. A chaque tour, tous les unités vont se passer un certain nombre de cases habituellement. Ok. Donc on va se mettre là. Oh, petite cinématique, je sais pas quoi. Ah, donc c'est bien moi ça. Ok. Donc on est des pirates maudits, on est immortel, mais on peut être blessé, tout ça. État d'équipage, ok. État du navire, ok. Oh, et j'aime bien. J'aime bien le truc pour l'instant. Il me semble assez sympa. À voir ce que ça va donner au long terme. Et puis si c'est pas trop... Pas redondant, mais pas trop... Difficile. Puisque de ce que j'ai compris, on risque de mourir assez souvent. Donc on va voir tout ça. Si l'œil de la déesse engloutie était considéré comme relevant de la légende, le capitaine Blackbone était à la recherche de cet artefact avant même que vous ayez rejoint son équipage. Désormais, il semblerait que la folie qui s'emparait du capitaine s'est répandue à toute la compagnie. On y est presque, tu vois ce brouillard qui se lève à la surface de l'eau. Il te paraît que c'est la vue qui s'érase en premier, mon vieux. Votre prise se réserve sur la poignée de votre sabre. Vous préféreriez affronter la compagnie plutôt que la colère de votre capitaine si jamais vous vous faites coiffer sur le poteau. Ok. Capitaine, le vaisseau de la compagnie, cool. Quels sont vos ordres? À toi de décider, camarade. Tu seras promu capitaine de ma flotte assez longtemps. Avant longtemps. Les hommes doivent s'habituer à recevoir des ordres de ta part. Ok. Alors, la prudence, ne prenons pas ce qu'on peut attendre sans problème. C'est tout ou rien. Tenter de récupérer son... Bon, on va tenter 150... Ça, quoi. Bien dit, camarade. Au boulot. Levez l'ancre. Vous verrez maintenant. Ok. Vous rencontrez souvent des navires, avant de décider lequel attaquer. Il est possible de lire son infobulle qui est écrit. Ok. Alors du coup là on a trois navires ennemis, donc on peut voir son infobulle comme ils disent. La compagnie tente. Ok.
Bah vas-y, on va attaquer. On peut accélérer, ok, nickel. Ah oui, par contre, s'il y a un temps de chargement entre chaque machin, ça va être temps d'axe. Bah ça va, c'est pas... Oh, truc de canon. Débute par une bataille navale en 3 manches qui consiste à se rapprocher de l'adversaire, ensuite vient l'abordage. Ok. À chaque tour, on va trouver un certain nombre de points de commandement à dépenser pour les tirs de canon. Ok, les PC, oui, on connaît tous les PC. On sélectionne, ok. Ok. Alors, donc notre bateau est là. On a 2 canons, vieux brise-canon. Lui, il va viser mon brise-canon là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais viser lui. Et toi, tu vas viser lui pour éviter justement qu'il le shoote. Lui, lui, et lui, et lui, lui. Ok, il en reste plus qu'un. Donc on a l'avantage à chaque fois. Les canons sont dead. Et on va faire le combat. Ok, ça va, vous êtes blanc comme un linge. J'ai pas dormi depuis 2 jours, rien qu'une bouteille de grog ne puisse y remédier. Concentrez-vous. Si le trésor nous file entre les doigts à cause de tes élucubrations, je te couds la gueule avec un épissoir. Au début de chaque... Pour se faire sélectionner une unité... Ok, donc en gros, en fait, on va placer nos pions avant de commencer la bataille. Le mousquet, là, représente la plus grande menace. Nous, on va mettre... Alors, c'est des matelots, mais en fait, on n'a pas grand-chose. On n'a pas grand-chose. On a tac, 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 tac. Et... Ah, ok. Vas-y, alors on va l'enlever. On va l'enlever, on va enlever lui. On va mettre ça. Puis on va nous mettre nous. Le but, c'est de défoncer le plus vite possible les mousquets qui sont... Faut maintenir. Excusez-moi. La petite entrée qui fait plaisir. Ok. Alors du coup, là, on a un petit matelot ici. Personne n'est préparé à subir une attaque, supprime l'hémorragie. Ok. On va se mettre là. Je sais pas si ça va... Voilà. Hop, on va se mettre là. On protège. Toi, tu te mets derrière. Élément interactif, chaque élément peut être... Ah, il y a des éléments interactifs. Ok. D'accord. Et donc là, j'ai une corde. Alors, R. Si je cut. Ah. D'accord. Bah du coup, je vais engager. Ça va le faire reculer de 1. Et ça va me faire avancer de 1. Ensuite, on a Blackbone ici. On va le faire passer par là. On va prendre le R. Qu'on va mettre là. Et du coup, on va le taper, ce qui va le tuer automatiquement. Ok! I understand. Ok, le mousquet, par contre, c'est la merde. Alors, ce que je vais faire, ça. Non, je peux pas faire ça. Je vais faire ça. Voilà. Et je peux me déplacer là, non? Ok. Donc lui il va me tirer dessus. Oh! Je peux mourir? Non, je peux pas mourir. Ah, je peux en mettre un autre, ok. D'accord, j'avais pas compris. Ok. Putain, mon garçon, tu viens avec moi, je reste près de moi. Victoire. Bon, lui, il est dead, mais c'est pas grave. Normalement, il est censé pouvoir revenir. Parce que normalement, on est un...
Oula. Non, attends, qu'est-ce qu'il me fait lui? Temple de la déesse. Parce que normalement on a pirate, on est un, on est maudit. Ça y est, après des années de recherche infructueuse, le temple de la déesse est sous vos yeux. Il semble trop vieux pour avoir été bâti par des humains. De sombres promesses planent sur le lieu pendant. Mais non, la mort, la fortune ou la mort. Amène cette lanterne, cutter. Regarde sur le mur, ce symbole, c'est pas l'œil. Vous examinez les runes en pierre qui ressemblent beaucoup à celles des textes anciens que le Blackbone vous a poussé à étudier à la longue. Ces symboles arachnéens. Arachnéens? Vous sont devenus très familiers. Vous lisez, la déesse vous regarde. Un peu trop sinistre à votre goût. Regardez sur l'autre œil, béni la déesse engloutie. Vas-y, cutter, passe devant. Ouais, je vais dire à vos ordres. Alors que vous arrivez près d'autel, un grondement sourd résonne dans la pièce. Les murs du temple tremblent. Vous n'avez sans doute plus beaucoup de temps. Là, sur l'estrade, un crâne étrange, doté d'une pierre précieuse éblouissante. Était-ce la déesse engloutie en personne? De telles pensées vous remplissent de crainte. Malgré tout, votre main tremblante se tend vers la pierre précieuse. Vous la délogez sans problème, comme si elle voulait qu'on la libère. Dans votre poing, elle est chaude. Sacré caillou, hein? Allez, regardez-la de plus près. Commencez-vous à demander, hein? Plaque la pierre aiguisée sur votre œil, sans pouvoir la contrôler. Des cris emplissent le temple. Il vous faut un moment pour vous rendre compte que ce sont les vôtres. Vous ne voyez que du sang, vous sentez la chaleur qui émane de la pierre par vagues, tandis qu'elle s'enracine. Vous ressentez autre chose loin sous la surface, quelque chose remue vous appelle. Cette forme, c'est une sorte de monstre. Oula, on va taper un monstre? Qu'est-ce que t'as foutu, gamin? J'ai perdu mon œil. Maman, j'ai mal. C'est une égratignure, mon chou. Ce sera pire sous peu. Vous sentez la raclée que subit votre crâne? Vous avez réveillé la bête. Voyons si vous avez les tripes pour la dompter avant qu'elle ne vous fende en deux. Accrochez-vous, Mathurin. Le kraken est là. Ok. Waouh. Waouh. Pour le coup, diriger les monstres marins. Kraken tentacle. Ah, c'est moi qui contrôle le kraken. Sélectionner la compétence du kraken et déchaîner. Ok. La compétence du kraken. Et ah ouais. Bah vas-y, hein, petit kraken. La violence. Ah, du coup, moi je vais aller là. Et je vais faire ça, comme ça je le tue. Je peux pas le gérer par là-bas? Non. Ah, je peux le tuer aussi? Attends, non. C'est lui. Ok. Ensuite, il y a lui qu'on va tuer en mettant par là. Et lui qu'on va tuer en mettant par là. Ce qui fait qu'il en reste qu'un seul là. Qu'on va tuer easy peasy. Attends, quoi? Ah oui, quand je fais terminer le tour, c'est terminer le tour pour tout le monde, quoi. Ok. Fais voir ton œil, ça fait mal. On va bientôt régler ça. Qu'on m'apporte un couteau. What? C'est toi le malade, petit. Qu'est-ce qui t'a pris de voler à ton capitaine et de manière aussi définitive? Peu importe, je vais récupérer. Donne-moi mon trésor immédiatement. Salopard sans cœur, venez le chercher. Ah non, non, je peux pas me battre. Il a l'air sympa. Plus bas, vous pouvez vous plus fuir nulle part. Il arrive. Je vous avais prévu. Prévu? Je vous avais prévenu plutôt. Ah bah, on a terminé le prologue. C'était rapide.
XP donné par les émissaires, comme ça. Ital équipage. Canon et module, on est bon. EOG, on est bon. Ok. Wow, c'est très joli. J'aime bien. Open your eyes. Wretched thing is Blackbone wants it. Oui, mais ça, je vous laisse lire. Hein. J'aime bien la musique. J'en profite. 14 ans. Come, a little rum will warm your bones. Mr. Wilkes, what ship lies at anchor there? We've been working on it. Bah ça tombe bien, je suis capitaine. Ah bah parfait, merci. Ok. Bah je croyais que j'avais fini le tuto. Après la trahison de Blackbone, vous vous êtes retrouvé dans une baie submergée secrète. Elle est devenue votre base que vous pouvez améliorer et grandir. Oh, j'aime. Heureusement, vous y avez trouvé du verre combiné au maigre butin que vous possédiez sur vous. C'est suffisant pour recruter votre premier spécialiste pour se faire rendez-vous à la taverne. Oh, taverne. Ici, vous pouvez recruter des pirates avec du verre. Vous en avez assez pour embaucher votre premier loup de mer. Vous avez pu noter que chaque spécialiste dispose d'arbres de compétences variées. L'un lié à la spécialisation, les deux autres randomisés. De ce fait, il est rare de trouver deux... Ok, alors... Le point de vue... Ok, donc, détail, pardon. Oh, c'est un cuisinier. Garde et fidèle. Ok. Pardon. Un scélérat. Empoisonneur et égorgeur. Lancière, apothicaire et fidèle. Je serais tenté entre lui et elle. Card. Finale. Ouais, mais ça, c'est un tank, mais il cuisine. Je pense que je vais prendre elle parce que j'ai l'impression que c'est une soigneuse. Ouais, on va la prendre elle. Solid investment. You'll see. Alors, les quartiers. Ici, vous pouvez réorganiser votre équipage. Ok. Let's bust some heads and bring home the booty. C'est cool. C'est vraiment très cool. Et donc on peut faire un nouveau raid. Fais voir l'atelier. Ok. Waouh. 500. Ok. Ok, ok, ok. On va faire un nouveau raid. Ici, vous pouvez choisir dans quelle région faire votre raid. L'une des régions fait toujours avancer l'histoire. Tandis que les autres vous permettent d'explorer librement le monde. Bah nous, on va faire l'histoire. Hein. Levez l'encre. J'ai envie de voir. J'aime bien ce jeu, je pensais pas à ça. Le soleil était aveuglant et l'odeur salée de l'eau. Vous aussi, vous êtes aussi familière et accueillante qu'une amante. Une amante de longue date. Pendant un instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le visage sombre de votre quartier maître vous rappelle la réalité. Regardez à l'horizon, vous saisissez la longue vue, examinez les vagues au loin. En effet, il a bien quelque chose, une structure étrange en dents de scie qui brille à la lueur du soleil. Ok, c'est quoi ça? Ah, c'est mon raid. On appelle ça du verre. Ok, vous touchez. Le verre est plus précieux que l'or, d'accord. Votre équipage vient d'installer un canon pivotant flambant neuf. C'est le moment idéal pour l'essayer. Avant d'attaquer votre proie, vous avez le temps de le calibrer. Dotez-nous d'un canon de folie. Je veux qu'il soit fiable. Ouais, je veux qu'il soit fiable. On va lever l'encre. À droite de l'écran se trouve une mini-map. Ouais, c'est ça. Elle montre le contexte de votre raid. D'accord. C'est comme un donjon, en fait.
On va l'installer le canon à partir de l'écran ici. On va le mettre là. On a le pavillon, on a du... Ok, équipage, tout le monde est là. On peut mettre de l'équipement. Ok, alors. Mode d'inspection. Ah oh bah ouais, ok, il n'y a que ça. Il est faible. Bah vas-y. Hein. Alors, comme d'hab, il faut qu'on détruise les canons en priorité. Vos canons ne sont d'habitude pas obligés de tirer sur un navire. Vous pouvez également tirer sur un équipage ennemi. D'accord. Donc soit le navire, soit l'équipage ennemi. Ça regarde, pas de milieu. Ok. Ok. Donc lui, il va me tirer dessus. Ah ouais. On va minimiser. Celui-là, il a que 2 PV. Donc on va minimiser le truc. Oh. Ok. J'aurais peut-être dû attaquer les les gens dedans. J'étais mort pendant des années, vous voulez que je prenne mon temps? Pas question. Je suis immortel. Oh! Ok. L'Eshbot est un garde du corps de marchand de bas étage. Son talent d'escrime est limité, bien que son attaque réduise l'armure. Ok, réduit mon armure. Examinez votre équipage. Ok. Donc là, on a ça, on a ça. On a une ficelle là. D'accord. Toi, je vais te mettre là. Lui, je le mets là. Et... Je sais pas c'est qui va jouer en premier en fait, c'est ça m'embête. Les pirates spécialistes peuvent être développés en acquérant l'expérience. Ok. Ah j'ai pas de... effet de zone. Attends. Je vais là. Ah oui ok, j'avais pas vu ça comme ça. Ouais, comme ça je bloque le passage d'ici. Lui on va faire ça. Hein. Ouais, je peux faire que sur moi. Et ensuite moi. Ok. On change de souffrir. Mais c'est pas grave. Ok. À nous. Ok. Oh, sympa là. Ah oui, sympa. On va prendre ça. Oh! Le matelot, il va se mettre là. Et lui, je vais le mettre là. Comme ça, je vais protéger. Parfait. Oh, je savais pas que j'avais ça. Oh, j'aime. État d'équipage, ok. Donc à mon avis, pistolet en versoline. Confère une compétence à distance. Ok. Donc du coup, j'ai cette compétence pour moi. Pour mon perso, ou pas? Équiper un nouvel objet. Ok. Alors, on va l'équiper. Hop. Toi,
Alors attends, j'ai 1 d'XP, ça veut dire quoi ça? Navire. Ok. J'aimerais pouvoir le réparer, mais je peux pas, non? Il est opérationnel. Et il est en train de détruire nos canons et nos modules. Ok, on va aller voir. On va aller voir. Et franchement, il est plutôt cool, hein? Vous pouvez examiner les descriptions de chaque navire, partie du navire. Hein? Détruire le module d'un navire, élimine. Ok. Donc, je peux. Cabine fortifiée. Ok. I understand. On n'a pas reçu un seul boulet. Oula, c'est quoi ça? Après ces quelques combats, je commence à retrouver mes sensations. Mais pas votre œil. Qui est le capon qui a dit ça? Elle a dit quoi, Capitaine? Arrêtez de me reluquer comme si j'avais perdu les pédales. Ah d'accord, ok. Pas satisfait du résultat de votre action ou que vous savez avez fait une erreur, vous pouvez utiliser le bouton annuler. D'accord. Ok. On va se mettre là, nous. Toi, tu vas te mettre là. Toi là et toi là. Alors. Désolé, comment. Ok. Armez ce pistolet, vous pouvez tirer sur les unités ennemies dans votre ligne de mire. Donc, on a le pistolet. Ouais, bouf. Honnêtement, j'ai envie de dire bof. Mais on va lui faire un petit coup à lui. Oh! Ah oui, d'accord, on peut faire deux fois. Ah, vas-y, meurs! Ok. Ok. C'est vachement dangereux de jouer proche de... Proche du bateau. Proche du bord du bateau. C'est vraiment très dangereux. J'ai pas de... Bon, je crois que je vais avoir un matelot qui va tomber. Ah non. Ok. État du navire, on est good. Or, ah, coffre de pillage. C'est quoi ça, coffre de pillage? Je peux l'ouvrir pour avoir des cadeaux? Aventure. Pendant vos raids, vous pouvez participer à des aventures qui vous demanderont de prendre des décisions ardues. Elles vous permettront de vous procurer des objets, des ressources. Ok. Alors. Comment je peux pas de raid pour l'ouvrir? Impossible de changer. Comment je fais pour l'ouvrir? Faut que je l'équipe? Ok. Point de commandement, j'en ai deux.
Et je sais pas où les mettre pour l'instant. Oui, il vous a averti de ne pas s'approcher davantage. Le navire a dû se fracasser quand les formations de verre, les paves sont coincées dans les... Ça arrive parfois, le verre est un cadeau du diable. Hein. Envoyez un mousse en lui promettant une prime. $200. Bon, on va prendre ça. Hein. Ce rire, c'est plus à raison. Levez l'ancre. Ok. Vous avez obtenu un nouveau module naval comme les canons installés-le depuis votre... Ok. Alors. Voilà. Du coup. Il tendra à livrer ton économie au nouveau module. Ok. Bon, normalement, je suis un peu plus fortifié. Le module nouvellement installé fournira un bonus à votre une bataille navale jusqu'à qu'il soit détruit. Ok, alors, toc, comment faire? Donc, on va tirer sur lui déjà. Oui. Et toi, sur lui. Toi, tu le désingues. Et toi... Ok. Ou le sapeur. Prenez garde au sapeur, il est capable de causer des dégâts à tous vos combattants s'ils ne se tiennent trop. Ok. Donc en gros, il va falloir. Que je dirige ça. Ok, il y a deux sapeurs. Est-ce que je peux aller là pour le jeter? J'ai là. Every fish needs a hook. OK. Local rumors say Blackbone's in the area. Blackbone? Comment ça, déjà victoire? Ok. Ah, c'est une fois que le raid est fini, ok. Mais comment ça, victoire? Parce que j'ai... Je les ai pas tous tués, j'ai fait quoi? À la fin de certaines régions, une rencontre avec un boss mettra vos compétences à l'épreuve. Avant le combat de boss, vous avez intérêt à acheter des objets et des canons. Ah ouais, ok. Ok. Donc du coup, ça c'est le port. Alors, on va réparer le navire, s'il est réparable. Ok. On va acheter des canons. On a 260 pièces. Attends. Tes articles, c'est quoi? On va prendre les canons. J'ai 260.
peux lui mettre là. Ouais, je peux le mettre là. Il a perdu la boule, capitaine. C'est à lui qu'il va avoir une surprise. Oui. Allez, vas-y. Quoi, il a une forteresse à lui? Ah oui. Vous observez les remparts à longue vue, cette silhouette sombre serait-elle le capitaine Black Bull? Sa forme herculéenne et son crochet ressemblent à l'homme que je servais jadis, mais son visage... Un masque en or. Le Kraken est enchaîné dans les entrailles de la forteresse. Essayez de communiquer avec le Kraken. Recevez 3 ressources de monstres, capitaine Kenner reçoit une blessure de lui. Faire donner les canons pour rien... 3 ressources de monstres, un canon. Ouais, je vais prendre celui-là. Cette créature a l'air de vous apprécier. Hissez le pavillon cap sur la ville de pirate. Let's go. Alors, les boss ne naviguent pas sur les coquilles de noix, sur leur forteresse flottante. Ils sont parfaitement préparés à subir vos assauts, la bataille navale reste la même, mais leurs navires sont bien plus puissants et résistants. Ah ouais, quand tu dis bien plus puissants... Ah ouais, il veut... Ok. Bon, on va directement le défoncer, lui. Faut éviter qu'il touche à mon équipage. Ok. On va faire... Attends, ça c'est brise canon, on est... D'accord. Faire ok, j'ai pas tout suivi, j'ai gagné, j'ai perdu. Il se passe quoi? Par quel imaginaire tu es mort? Tu étais mort? Ah mais du coup j'ai eu des dégâts. Je te plais. T'étais mon garçon que t'avais désobéi à mes ordres. Bah non, tu m'as dit de faire ça. Alors, échec. Oh, ne craignez pas la défaite. Donc ok, ça veut dire clairement qu'on va se prendre une gamelle horrible. Sont immortels. Voilà, Cutter et son équipage sont immortels. Perdre fait partie du jeu. Échouer lors d'un raid vous fera tout de même gagner des devises et vos unités accumuleront de l'expérience pour qu'elles soient plus fortes la prochaine fois. Ok. Quand votre pirate est vaincu en bataille navale ou en escarmouche, reçoit une blessure, chaque blessure est due. Voilà. Comme Cutter et Muta, ses blessures gagnent. Ok. D'accord. Bon, on va se faire démonter. C'est pas grave. C'est pas grave. Comment je vais voir ça, moi? Comment je vais voir ça? Non, pas toi. Je peux envoyer un Kraken ici ou ici? Et ça écrasera derrière. Là, je l'ai mis là. Comme ça le tue. Ou pas? Ok. Alors lui il va servir d'appât. Ah ouais! Sympa. Et toi, pareil, tu vas servir d'appât. Ah
Ah, il peut... Ah, il se soigne. Il se soigne. Ok, c'est... Attends, c'est qui, là? Ah oui, je peux emmener quelqu'un au combat. Vas-y. Mais tu vas vite mourir, hein. Un PV, frère. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Alors, si par contre le... Voilà. Il peut pas m'avoir de là. Ça aurait été abusé. Ok, je peux pas le... Ok. J'ai compris. On va pas pouvoir les tuer. Il a... Bon, on va se faire poutrer, on est d'accord. Allons mourir, ça ira plus vite. Voilà. Donc c'est normal si on a des défaites. Ça le joue qu'elle dit. Défaite, un nouveau départ. On a gagné ça, récompense, plus 10%. Hein. État d'équivage, ok. Plan reçu 495, verre reçu. Ok. Vous avez souffert le martyr jusqu'au bout, mais vous revoilà toujours plus vivant. Oh, je souffre à chaque fois que je meurs. Vous pouvez mourir que tard, mais vous réapparaîtrez ici grâce au pouvoir de l'œil de la déesse. Ça suffit, qu'il entend de vous. D'accord, d'accord. Oh, elle me plaît beaucoup. Regardez, elle a des cheveux kraken. Revenir entre les morts, si c'est pas nouveau pour vous, nous on est un peu déboussolés. Ah oui. Première étape, on fera mes mains. Ok. Du coup, on peut aller à l'atelier. Coup de tentacule. Appeler Kraten et Gra... Ok. Là, on le prend. Là, il faut 500 de verre. Ok. Équipage, infirmerie. Une nouvelle nuit de repos, ça suffit pour les... Ça, c'est pas mal. On va l'acheter. Ok. Équipement. 500, navire. La vie d'aventurier, ok. Eh, franchement, il est vraiment cool. J'aime bien. Fais voir la taverne, je peux recruter des gens, quoi. Fatal. Ah, c'est toujours 250. Mais attends, mais mon équipage, il est quoi? Ah si, je l'ai toujours. Ok. Ok, ok. Bref, du coup, nous, on va se laisser là. Franchement, je kiffe beaucoup le jeu. Je l'aime beaucoup. Et, ouais, je le continue de mon côté. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.